Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi. Oups, attention, attention, il y a la voiture là. En ce jeudi, sur la map, le domaine valaisan, hein, comme d'habitude. Et comme je l'ai dit l'autre jour, en tout cas, merci pour tous les retours que vous avez faits, pour les beaux commentaires, les pouces bleus, un peu de moteur parce qu'on s'entend plus. Donc, oui, on va continuer. Hein, maintenant, il faut avancer. Hein. J'ai mis de la chaux. On voit le blanc là-bas au fond. J'ai mis de la chaux sur mon champ que j'avais labouré. Et il faudra que je sème, je sème, je sème. Et là, là. Non, je vais pas commencer à chanter. Donc, oui, mon petit terrible. Oui, non. C'est vrai que tu as trouvé une autre modification qui est vraiment sympa. Mais je ne vais pas rechanger, vu que là j'ai tout recommencé. C'est vrai qu'elle est sympa. Mais je ne vais pas rechanger vis-à-vis de mes abonnés et ceux qui me suivent. On va rester là avec mes petits alpages. Et oui, et puis attention, hein, si tu veux mettre des coups de ceinturon, mon petit terrible. Hein? Il n'est pas maso, papy valaisan. Hein? D'accord? Ok. Bon, donc nous, il nous faut une bétaillère, hein, comme je vous l'avais dit. On va aller chercher 2 ou 3 vaches pour le moment. On va pas les monter à l'alpage, on va les mettre direct à la ferme et on testera si l'ami allemand a mis justement. Oui, je voulais dire justement celle qui est modifiée avec le robot qu'on peut mettre les bottes. Voilà. Donc là, on a 7. Et 5. Alors, donc on va prendre de la Josquin, hein, une jolie. Moi par contre je vais la garder comme ça parce que j'aime pas le vert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut changer Becca, Michelin, Trevor. On va mettre les Becca. Qu'est-ce que ça change là? Oups. Ah, ça change le giro. Ah, LED, ok, on va mettre à LED. Ok. Autant pour moi. 16 000, on peut se permettre. De toute façon, il nous en faudra une. Et puis, je pense que louer, ça sera chaque fois un peu trop cher. Elle est là-bas. On va juste regarder sur la map. Je ne sais même pas où elle est le détail en bétail. Mais je crois qu'il est tout là-bas. Ouais, négocier en bétail, il est là-bas. Ok. Donc on va. Non, si t'appuies sur l'accélérateur puis que t'as pas allumé, papy valaisan, c'est clair qu'il va pas reculer. Hein. En tout cas, on va aller faire ça. On va aller essayer de les nourrir. Du reste, on viendra chercher une cuve à eau. Magnifique cette Josquin. Ah ben, bon, ben, c'est celle qu'on avait sur 19. Oups. Et je suis toujours avec mon masset. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, elle est levée. Elle est vachement basse. Par contre, pour aller en haut à l'alpage, ça va être short. Ça va être short, hein. Par où on va passer? Pour aller chercher ces 2 ou 3 vaches. Il n'y a pas de chemin, je suis obligé de repasser là-bas. On va mettre les gyros. Ah, c'est magnifique. En tout cas, j'espère, en tout cas, vu les retours, la série vous plaît bien. Hein? On va faire attention. Oh, c'est bon. C'est bon. Il n'y a personne, il n'y a pas de fada. Il n'y a pas de fada. Est-ce que les. Ah oui, ça fonctionne. Donc on va aller chercher ces petites vaches. Après, on testera si la stabule accepte les bottes. Et il faudra après, vraiment, ça sera une petite courte vidéo pour ce jeudi. On se retrouvera bien sûr en fin de semaine, comme d'habitude, peut-être pas avant samedi ou le live de l'apéro du Valaisan, de Papy Valaisan. Je suis où? Je suis un peu perdu sur la map. Voilà, on va passer tout droit. Allez.
On va passer tout droit parce que de toute façon ça doit être par là-bas. J'ai déjà chuté un panneau là. Alors oui, je veux pas aller sur la map. Tant mieux pour lui hein, s'il a trouvé. C'est vrai qu'elle est magnifique hein, avec 5 fermes. Mais il n'y a pas l'alpage, voilà quoi. Moi ce qui m'intéressait c'est celle-là. J'ai en plus j'ai tout préparé. Donc automatiquement je ne vais pas tout recommencer pour ça. Finalement, j'aurais, au lieu de faire tout le tour, j'aurais dû passer par comme si je montais à la ferme. J'en profite. Regardez. Regardez les usines que j'ai placées qui sont juste là-bas. Et il y en a une juste là. Attention, la voiture, papy. Juste là-bas. Et ici, c'est les produits laitiers. Hein? C'est quoi cette bouteille de lait? Oh là! Ah ben bravo! Eh ben c'était moi une. Un peu plus je me mais ils descendent tard hein, les barrières. Les barrières sont pas en bas et le train arrive déjà. Ben j'ai failli hein. T'as vu mon terrible, ben, j'ai failli. Ça, il n'y a pas un autre hein, parce qu'un train peut en cacher un autre. Ça c'est sûr. Attendez. Ouais, ben je suis sur la bonne route. Bah ben, heureusement. Ah, c'était moins une là. Et normalement, le négociant, il est là. Un joli bâtiment, hein, d'empêche. J'aime bien tout en bois. Ah, c'était moins une là, les amis. Puis il n'y avait plus Papy Valaisan parce que le tracteur avait volé. On va pas en mettre des tonnes. On va déjà faire un voyage. Puis après on testera. Il faut quand même aller chercher aussi. Oups, on va déployer. Soit. Il y a quand même des défauts hein, sur les mains. Hop. C'est bon? Hop. Là, il faut sortir, puis remonter. Voilà. Alors, c'est vrai que par chez moi, bah, c'est. Ouais, c'est des Angus là, mais moi elles sont noires. Mais vu que moi j'adore celle-là, les oh, ben, je crois que Jérémy, mon petit Jérémy, aime bien aussi celle-là. Mais par chez moi, ça c'est plutôt du côté suisse-allemand où on parle allemand. C'est vache. Mais on va prendre des Holstein. Qu'est-ce qu'ils disent? Les vaches produisent du lait que vous pouvez vendre pour le profil. Ouais, ben, c'est bien. Puis elles font que ça. Il n'y a pas d'âge. Ah si, 12 mois. Celle-là, elle a 0 mois. Elle n'est pas née. Celle-là, elle a 12 mois, 10 mois. Ah, peut-être que. Ah, 18 mois. On va peut-être. Ah, elles sont un peu poil du cul plus chères. Ouais. Mais par contre, peut-être qu'elles reproduisent plus vite, vu qu'elles ont 10 mois. Par contre, elles peuvent crever peut-être plus vite. Bon, assez discuté. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Acheter. Oui. Ok. Échapper. Elles sont dedans. Bougez pas les filles. On va fermer. Peut-être qu'à l'alpage, on mettra autre chose. Peut-être laisser remonter. Et normalement, on peut passer par là-bas, non? Je me demande si je vais pas passer par là-bas, comme ça vous pouvez voir un peu les entreprises. On va essayer, hein, les amis. Ah, ça va, elles sont tranquilles, les petites. Hein? Peut-être on verra. Voilà. De toute façon, il faudra remplir, hein, parce que la stabule, elle est grande. Hein. Vous voyez qu'il y a des entreprises là. Donc, par contre, attention à la voiture. Là. Ah, c'est la fin de la map. D'accord. Autant pour moi. Donc, il n'y a pas de chemin. Je vois déjà d'avance les commentaires là. Ah, c'est vrai qu'il faudrait passer de l'autre côté. Bon, allez, on va se dépêcher. On va quand même les nourrir. Il faut aller chercher de la cuve. Alors, j'ai le pack comme on avait sur. Le 19 universal
C'est ça qui est bien. On va laisser peut-être passer le voyou qui arrive à 200 à l'heure là. Parce qu'il n'y a pas de train. Cette fois-ci, on va se dépêcher. LED. Ah, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Elle est bien faite. J'aime bien cette Josca. Alors, c'est vrai qu'il y avait la Roland, mais on met moins de vaches. Alors, peut-être que je demanderai à un transporteur de m'amener plus de vaches plus tard. On verra ça. Pour l'instant, on va les déjà amener ces 7. Et puis, on verra tout ça après. Donc, c'est vrai que je vais rester sur cette version. Parce que l'autre, ouais, c'est vrai que. Mais bon, il faut faire du voyage. Hein. Les vaches sont à l'autre bout du monde. Bon, c'est vrai que je ne sais même pas si j'ai les moutons. Normalement, oui. Alors, où c'est? Normalement, c'est le lisier. Normalement, c'est le côté. Par là-bas. Ça passe, oui. C'est juste là. Je vais peut-être pousser un peu mes pédales parce que j'arrive plus à bouger. Et normalement, ça doit être ici. Mais ce qui est incroyable, c'est chaque fois il faut descendre. Voilà. Voilà, les amis. Oups. Oui. Ok, échappe. On va refermer. Puis normalement, elle doit être dans le parc. Ah, il faut que je remette le truc caméra, parce que c'est un peu chiant ça. On va aller voir si elles sont là quand même. Oui, regardez comme les coquines, elles sont là. Hein? Oups, regardez. Elles sont bien là. Salut ma belle. Il me semblait qu'elle belle. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Ils ont bien fait les choses, je trouve. Regardez ça. Hein? Hein, mon petit casa, regarde comme elles sont belles. Bah toi. Elle est déjà fatiguée, toi. C'est vrai qu'elles ont un super terrain en pente là. Encore. Juste voir quelque chose. Lui contrôler. Ouais, c'est bon. Hop. Ah, bah là. Ne bouge pas quand je contrôle. Bon, bah c'est bon. On va juste retourner là. La bétaillère, je vais la laisser par là. J'irai. On va. Il me reste pas énormément d'argent, donc il faudra attendre. Mais il faudra bien que il y ait du lait. Alors, on va aller chercher. Alors, je ne sais pas avant d'acheter une cuve à eau. On va aller quand même aller voir un truc. Parce que ça me fait souci ça. Est-ce qu'on doit mettre de l'eau avec cette stabule? Mais je pense pas. Hein. Normalement, c'est automatique. Parce qu'ici, c'est quoi ici? Ah, mais c'est le lait là. Trois. Ah, oui. C'est pas mal. Donc là, on récupère le lait. Par contre, ici, c'est le fumier. Bon, est-ce qu'il faut mettre de l'eau? Mais je suis pas sûr. Mais normalement pas. Hein. On va aller voir de l'autre côté. Ici, normalement. Normalement, on peut faire la réserve ici. Là-bas, c'est le lisier. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non?
je vais sauver ici. Donc normalement là c'est la ration mélangée et tout est quanti. Donc il n'y a pas besoin. Hein. Donc on achètera peut-être une cuve pour le lait, oui, mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc ce qu'on va faire, on va sauter dans New Holland. Oups, il est pas mal, hein. Moi qui je suis pas fan, hein. Mais il a de la gueule. On va se mettre en vue intérieure. Et normalement, vu que on a des balles là-bas déjà, on va essayer de remplir tout ça. Et on a même, vous avez vu qu'il me semble que je vous l'avais montré, on a un peu d'ensilage ici. Alors, on va ouvrir les deux. Hein. Donc ça, on va prendre de la paille. Oups. Bon, là, ça goûte de l'herbe, normalement. On va en prendre deux. Hop. Il est un peu nerveux. On va voir tout de suite, je suis concentré hein, les amis, on va voir tout de suite si, par contre quand on roule on n'a pas de vue, rien du tout, on va voir tout de suite s'il a mis la stabule que je disais qui prend, les balles, on va voir tout de suite, hein. Regardez. Et les connaissant sûrement. Hop. Eh ben non. C'est pas la stabule qui est le wagon. Donc il faudra faire du vrac. Ça c'est dommage. À moins que c'est du foin. Ah attendez. On va aller ramener ça. Ah, ça c'est quoi? C'est de l'herbe ou du foin? Quand même du fond ça. Attendez, on va essayer avec de la paille. On va aller ramener ça. C'est quand même plus stable hein, au niveau des bottes. Parce que quand on voit rouler vite comme ça, bah, automatiquement il y a tout qui tombe. Aller avec deux, on va prendre une. Il faut que je mette le truc anti pas anti moustique, anti caméra. Par contre c'est chiant que il faut lâcher l'accélérateur. Hop. Hop, voilà. On verra bien. Hein. Je suis pas sûr qu'avec ce logo que c'est du foin. Alors la paille c'est ici. Bon, après c'est pas demain, c'est pas bien grave. Ah non, il a pas mis la truc des Allemands qui. C'est pas bien grave. Oula. C'est pas bien grave les amis, parce que je trouve qu'il est nerveux ce télescopique. Ah ben, en début peut-être qu'on peut prendre une mélangeuse et puis utiliser ça hein. Après bon bah ça on pourra amener à l'alpage. Il n'y aura pas de souci. C'est vrai qu'il faut l'amener à la page un peu de mélange. De toute façon, on fera pas de mélange. Ce sera un peu d'ensilage et tout est quanti.
Voilà quoi. Bon, bah écoutez les amis, on va se quitter là. Il faudra bien que je nourrisse ces vaches. Donc je sais pas comment, mais on verra. Bon, normalement il y a des aliments pour vaches, alors peut-être que j'en achèterai pour le début. Parce qu'elles vont crever de faim, les petites. Et je pensais que. Ou alors je vais louer une petite mélangeuse pour le moment. Et puis du temps qu'on fasse du vrac et tout est quanti. Hein. Ok les amis, ben cet épisode, ben n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, de mettre vos commentaires comme d'habitude. Hein, et puis on se retrouve très vite ben, en fin de semaine. Je ne sais pas quand. On avancera. Moi j'essaierai aussi d'avancer. C'est pas facile pour moi. On verra si on pourrait placer une étable en bas pour une bergerie. Ben, c'est vrai que si je mets les moutons en haut à l'alpage, ben, l'hiver il faudra bien les redescendre. Bon, les poules on s'en fout si elles congèlent. Ça fera du poulet congelé. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous pour tous vos commentaires hein, que vous avez fait dans le dernier épisode. J'ai vu que vous aimez bien cette série, Le Domaine Valaisan. On va continuer et puis on se retrouve très vite. Une bonne fin de semaine à vous. Faites attention à vous. Protégez-vous. Et puis on se retrouve. Allez, tout de bon et à très vite.